Les gens qui font de la peinture miniature sont à la fois des artisans et des artistes. Quand on travaille sur une peinture qui est à une échelle de celle d'un cadran, on travaille quelque chose presque en sculptant de la peinture. Chaque geste compte, la maîtrise de son souffle, la maîtrise du geste, ça c'est quelque chose qui prend une vie. Ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est la dimension méditative. C'est de pouvoir vraiment perdre un petit peu la notion d'échelle et être projeté dans un monde infiniment petit, dans une relation de douceur liée à la peinture. La notion de poésie, elle est directement liée au travail à la main, parce que tous, on a un œil d'artisan. Je vais plus regarder la lumière, les emplacements des ombres, les choses comme ça, et comment je vais pouvoir le réaliser. C'est finalement des petites variations liées à la main humaine qui donnent des pièces qui sont uniques. Et sur chaque pièce, on sent la patte, entre guillemets, de chacun. C'est vrai que chez Van Cleef & Arpels, on veut toujours faire mieux, toujours faire plus beau, plus réaliste ou plus profond. Et puis notre rôle à nous, au sein des ateliers horlogers, c'est d'utiliser les techniques de chacun pour créer cet univers féerique. Et souvent, on passe par cette technique de la décale qui va pouvoir nous permettre de faire continuer cette histoire au dos de la montre.